On est déjà live. Bonjour tout le monde. Bonjour Yannick, comment tu vas? Bonjour Horacio, comment vas-tu? Ça va, très content d'être ici pour ce petit live. Bon bah, je crois qu'on peut commencer. De quoi on va parler aujourd'hui? Attends, on m'a dit, laisse-moi vérifier. On m'a dit Materia KV. Qu'est-ce que c'est ce truc Materia qu'on entend parler ces derniers temps? Côté Clever, tu peux nous expliquer? Oui, je peux t'expliquer ça un petit peu rapidement. Materia, c'est la nouvelle gamme de bases de données serverless qui vont venir en complément des bases de données qu'on a déjà sur Clever Cloud. Donc, c'est une nouvelle gamme de bases de données serverless. Écoute, je crois que je suis un peu vieux pour cette histoire. Je comprends qu'est-ce que c'est serverless dans le cadre de fonctions, mais c'est quoi une base de données serverless? Une base de données serverless, c'est une solution technique pour un problème que l'on peut avoir quand on commence à jouer avec du platform as a service. Puisque à Clever, lorsque vous allez créer des applications et que vous avez besoin de persistance pour vos applications, ce qui va se passer, c'est que vous allez rajouter une base de données à votre application. Sauf que cette base de données, elle va tourner dans une machine virtuelle et la facturation de cette machine virtuelle, elle est faite au temps. Et donc, ça signifie que tant que votre base de données est en train de tourner, vous allez être facturé. Sauf qu'il y a énormément de cas où vos applications, elles ne font pas tant que ça de requêtes sur la base de données. Et donc, elle n'a pas réellement besoin d'être démarrée en permanence. Mais D'accord. Elle a besoin d'être accessible en permanence. D'accord. Et le serverless, c'est un petit peu comme du function as a service, mais pour de la base de données. Donc, tu veux dire qu'on n'a pas une instance dédiée, on a un espace dans lequel on peut stocker nos données
Si on stocke très peu de données, on est très peu facturé. Et au fur et à mesure qu'on stocke plus, on sera facturé plus. Et on peut accéder à tout moment à ces données-là. C'est avoir la base de données, mais pas l'instance. OK, là, je crois que je vois un peu l'idée. Oh, c'est cool, il y a pas mal de monde qui est en train Oui, d'arriver. je vois ça. Oui. Bonjour tout le Bonjour à monde. tous. Ah ouais, je vois déjà quelqu'un qui se moque de mon léger accent breton, c'est sympa ça. Mais oui, bah écoute, je suis... Ne te laisse Ouais, pas déconcentrer. voilà. Focus, Horatio, Oh si tu non, as mais suivi focus, mais plus. voilà. Donc, base de données serverless, Materia, et on est ici pour parler des Materia KV. Key value. Oui. Donc, c'est la première de ces bases serverless qu'on sort. Et voilà, a priori, les gens qui nous écoutent, c'est des techos, des développeurs, des sysadmins. Est-ce que tu peux raconter un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces Materia KV, si on soulève un petit peu les Oui. capots? Alors, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est un KV, donc un clé valeur, c'est littéralement un dictionnaire Python ou une map en JS ou n'importe quoi qui associe une clé avec une valeur. Et des bases de données clé-valeur, il y en a pas mal, dont une qui est largement répandue qui s'appelle Redis. D'accord, je pense que Redis, oui, on connaît bien, oui. Et du coup, ben, Donc, on a fait un nous, Redis multi-tenant ou un truc comme ça, on a fait un cluster Redis. on a fait bien plus qu'un cluster Redis. On s'est appuyé sur une technologie qui s'appelle FondationDB. C'est un projet qui est porté par Apple et par Snowflake et une communauté open source qui donne tous les outils pour fabriquer des bases de données distribuées transactionnelles. Donc, D'accord, donc FondationDB en soi-même, ce n'est pas une base de données, c'est un toolkit avec lequel on peut construire nos bases de données. en lui-même, c'est une base de données, mais on peut construire beaucoup mieux dessus. Mais D'accord. ce FondationDB va nous donner plein de garanties, parce que la base de données a été construite après ce qui est appelé un simulateur. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un petit peu comme dans le film Matrix, un environnement où ils sont capables de contrôler tout et n'importe quoi. Et quand J'aime je bien dis tes tout et références. n'importe quoi, c'est ils sont capables de créer des data centers virtuels avec des machines virtuelles à l'intérieur et des instances de bases de données virtuelles également à l'intérieur de ces serveurs. Ils peuvent faire tourner des scénarios qui sont des scénarios qui sont cataclysmiques. Genre, par exemple, certains scénarios permettent de détruire complètement toute une AZ. Donc, c'est comme si, par exemple, on avait des serveurs en Amérique et puis que l'Amérique disparaît. Qu'est-ce qui se passe pour les données qui sont dans le cluster de base de données? Et bien, ça, le simulateur, il est capable de nous dire ben, les données, elles seront conservées parce que le modèle de réplication dans le cluster nous assure que la donnée sera toujours disponible à partir du moment où il y a suffisamment de serveurs qui ont survécu à l'apocalypse nucléaire, Ok, Fallout, tout dans la Scala, si je suis, on a un système extrêmement robuste que c'est FondationDB, qui en plus il a été testé via des simulations, qu'il est capable de garder ses données même dans des scénarios assez apocalyptiques. Et de là à ces matériaux qu'avec, comment on a fait, qu'est-ce qu'on a construit? Alors, il y a juste un petit truc que je veux rajouter, c'est la notion de transactionnalité. C'est quelque chose qui est très important lorsque on fait des bases de données. En gros, lorsque vous allez faire des requêtes, il va y avoir un objet qui va s'appeler une transaction qui va être créée. Et lorsque la transaction est acceptée, vous avez la certitude que vos données ont été bien enregistrées dans la base de données. Mais aussi que toutes les prérequis que je vous ai dit tout à l'heure avec le simulateur vont être respectées. Et donc, ça veut dire que votre donnée a déjà été dispatchée dans l'ensemble du cluster. Donc, ça, Donc, on c'est est super important. une base de données transactionnelle. OK, jusqu'à là, ça me va.
base de données transactionnelle distribuée. Et ça, c'est beaucoup plus distribué dur à faire. et très résiliente. OK? Et du coup, sur cette base de données, qui n'est juste qu'un clé-valeur qui nous permet de stocker des clés et des valeurs, on est venu construire un SDK, donc un Software Development Kit, qui va nous permettre de pouvoir manipuler ce clé-valeur pour venir construire ce que l'on a appelé des bases de données logiques, Logical DB, qui vont créer toute la sécurité de tenancy. Donc la tenancy, c'est encore un autre concept qu'on a dans les bases de données. Ça veut dire c'est l'isolation des utilisateurs les uns par rapport aux autres. Ce qui signifie que quand on vient stocker dans un namespace, la personne qui est dans ce namespace ne pourra pas aller se balader dans les namespaces des autres. Si Ce qui est vous avez super fait du important dev. pour un produit comme celui-ci, parce qu'on va avoir plein de clients qui vont être derrière sur la même infrastructure. D'accord? Exactement. Si vous avez fait du web à une époque assez reculée, il y avait ce qu'on appelait les PHP mutualisés. Tu viens de me Où... traiter de vieux? Oh Mais mince! moi, j'ai fait du PHP mutualisé, donc je suis aussi vieux. Et ces PHP mutualisés, ils avaient un petit problème, c'était que quand on était dans une instance, il y avait des moyens d'aller voir le petit copain qui était à côté. Et donc, il y avait des problèmes de sécurité qui étaient induits par ce genre de mécanisme. Et notre SDK nous certifie, donc ça a été testé aussi par simulateur, que l'on n'est pas capable d'aller atteindre de la donnée qui ne nous appartient pas. Donc ça, c'est super important. Et à partir de ce principe de namespace, on est venu recréer la structure qu'on peut avoir dans une base de données, c'est-à-dire d'avoir des schémas pour les données qu'on vient stocker, les données en elles-mêmes et les indexations de ces données. Et donc, on va avoir toutes les primitives qui vont nous permettre de pouvoir mimer le fonctionnement des bases de données. Donc ça, c'est notre SDK. Qui nous permet donc de rendre multi-tenant, d'isoler de nos différents utilisateurs sur la base et au-dessus, parce que tu as dit qu'on fait un Redis, mais qu'est-ce que tu comprends par ça? D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une couche de compatibilité qui va Ah! nous permettre d'avoir un modèle pivot qui va nous permettre de pouvoir faire des choses dont je vais vous expliquer juste après. Mais ce modèle pivot, en gros, ça va être une interface entre le SDK et ce qu'on va vouloir faire par-dessus. Et dans ce modèle pivot, on va venir stocker des tables avec les données que les utilisateurs vont pouvoir vouloir stocker dans le FondationDB qui est tout en bout de course dans notre chaîne de valeur. Donc les données de nos utilisateurs sont stockées dans ce format pivot qui n'est pas Exactement. le format natif Redis ou quoi que ce soit. C'est un format pivot qu'on Exactement. a C'est fait un qui s'appuie format sur qu'on a créé. FondationDB. Parfait. Exactement. Jusqu'à là, je te suis. Et par-dessus ça, on est venu créer une couche de présentation de ces données qui va être capable de parler dans le protocole Redis. D'accord. Ah, ça répond ici à la question. Aucun rapport avec Redis. Le rapport est là. Ok, je le vois enfin. Et donc, je t'ai coupé, pardon. Pardon, pas de problème. Non, mais prends les questions. On est là justement pour répondre aux questions. Donc, s'il y a des questions qui pop, n'hésite pas à m'interrompre. Il n'y a pas de souci. Et donc, cette notion de format pivot nous permet de faire quelque chose d'extrêmement cool. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de bases de données clés-valeurs qui existent dans la nature, mais qui ont toutes la même notion de stocker des clés et des valeurs, sauf qu'elles ne présentent pas les données de la même manière. Et donc l'idée derrière ça, c'est d'être capable d'utiliser plusieurs protocoles de clés-valeurs sur ce format pivot. Donc on va D'accord. avoir du Redis, mais on peut avoir aussi du DynamoDB, mais on peut avoir aussi du Memcached, parce que tout ce genre de protocole fait la même chose. Il stocke des clés et des valeurs et récupère des clés et des valeurs.
Et si j'ai bien compris, comme on stocke en format pivot, on pourrait par exemple écrire les données via le protocole Redis depuis une appli qu'on a configurée pour Redis et les lire après via le protocole DynamoDB quand il sera prêt depuis une autre application qui elle est adaptée pour lire de DynamoDB par exemple. C'est tu ça? As tout compris. Ok. Donc, en fait, dire qu'aujourd'hui, il est compatible Redis, c'est une première étape dans cette stratégie qu'on est en train de construire avec MateriaKB. OK. Exactement. Là, Et on a choisi Redis parce que c'était ce qui était le plus simple à implémenter. Parce que le protocole Redis, c'est un protocole qui est un peu le toy project de toutes les personnes qui essayent de parser du protocole textuel. Et donc, des implémentations de parse de Redis, bah, il y en a des centaines de milliers. Et du coup, on a pu s'appuyer sur des choses qui existaient déjà pour justement pouvoir itérer vite et être capable de savoir si notre idée de base était bonne ou si elle était mauvaise. Et pour ceux qui s'intéressent, avec quoi on a codé tout ça? Ah oui! Bah comme le petit titre qui est en dessous de mon prénom l'indique, on l'a fait en Rust. Eh oui, en effet. Puisqu'il y a des personnes qui sont de bonne volonté et nous ont créé un binding en Rust qui va nous permettre de manipuler du FondationDB. Parce que le FondationDB, c'est un projet qui écrit dans une variante de C++, c'est pas vraiment du C++, c'est un truc un peu différent, c'est pas du Flow si vous avez envie d'aller voir. Et à partir de ce binding Rust, on est capable de parler aux fondations DB. Et du coup, pourquoi on a choisi Rust? Parce que Rust est un langage qui est suffisamment rapide pour être simulé. Parce qu'on a des implémentations de ce qu'on a fait dans le SDK qui existe en Java, mais le Java est trop lent pour être simulé. Et du coup, bah, on avait besoin de quelque chose qui était beaucoup plus rapide. Et le Rust nous permet également d'avoir beaucoup de sécurité en fait, sur ce que l'on fait. Parce qu'on va utiliser énormément d'asynchrone dans ce que l'on va mettre en place, parce qu'on a envie de pouvoir gérer beaucoup de monde. Et gérer beaucoup de monde, bah, ça passe par l'asynchrone. Et ça, le faire en Rust, bah, ça nous donne beaucoup de sécurité. Alors que si on avait dû le faire en C++, bah, c'était, on va dire, une autre sauce, quoi. Les personnes qui ont fait de l'asynchrone en C++, je pense qu'ils ont oui, il y a quelques souvenirs traumatisants il y a cette année. Attends, on a une petite question. Donc, si je comprends bien, cette base matérielle, c'est en capacité de calculer la consommation de chaque lecture, chaque écriture, pour à la fin alléger la facture des utilisateurs. C'est bien plus intéressant que ça, en fait. C'est lorsque toi, tu vas venir avec ta connexion sur la base de données, en fait, nous, on va venir t'ouvrir le namespace, mais là, on ne démarrera pas de base de données. Donc, ça veut dire que lorsque toi, tu vas faire des requêtes, nous, on va faire de la facturation au stockage et à la requête. Et donc, si tu fais très, très peu de requêtes, tu paieras très, très peu. Donc, c'est idéal pour démarrer un petit projet dans lequel, si tu n'as pas beaucoup de données et tu as un nombre de requêtes réduit, tu ne paieras pas grand-chose et ça va grandir à fur et à mesure que ton volume de stocké Exactement. Et de requêtes et ou tes requêtes augmentent. D'accord. Est-ce qu'on peut le tester déjà ou comment... Oui, bien sûr qu'on peut le tester déjà. On a même toute une petite démo à vous présenter sur son utilisation et son intégration dans Clever. Et donc, c'est le moment où je mets les disclaimers. Pour le moment, c'est un alpha public. Mais dans les cycles produits de Clever, un alpha public veut dire qu'il est ouvert à vous, à nos utilisateurs. D'ailleurs, si vous allez dans votre console Clever Cloud, vous devriez le voir. Est-ce que tu as ta console Clever Cloud là quelque part, Yannick, qu'on puisse montrer? Oui, on peut montrer ça. Voilà. Et donc, si tu fais Create, bah, tu devrais voir dans les add-ons
comme tout autre add-on, et on a Materia KV qui est là. On a un magnifique Materia de FF7 si vous êtes amateur de l'univers. Et du voilà. Coup, bah, si vous avez envie de créer un Materia, c'est aussi simple qu'appuyer sur Select, Next. Ok. Attends, on a une autre question de Happy to Dev. Oui. Il y aura donc une facturation par rapport à la requête et au volume de stockage utilisé. Désolé pour ces questions financières. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y aura une facturation de requêtes et stockage. On n'a pas encore communiqué sur les quantités exactes, sur la façon exacte comme ça sera facturé, parce que pour l'instant, on est dans la phase alpha dans laquelle on veut avoir plein d'utilisateurs qui nous disent « Ah oui, ça c'est cool, ça marche pour nous » ou « Ah oui, mais pour que ça marche pour nous, il faudrait ça, ça et ça » et aussi pouvoir aussi tester des différentes questions par rapport au modèle exact de facturation. Mais l'idée, c'est ça. C'est un modèle dans lequel on facture et à la requête et la facturation sera une fonction de nombre de requêtes et de volume stocké. Est-ce que ça répond aux questions? Merci en tout cas. Voilà, il Allez, semble que ça répond au moins à ces questions-là. Parfait. Donc, tu m'as dit que tu m'as piqué ma petite appli de création d'avatar et que tu as joué avec elle. J'ai hâte de voir ça. Je crée juste le matériau et on y va. Nickel. Donc là, je lui donne un nom. Athéane, regarde, Gwynis. Et il écrit. C'est instantané. On a déjà accès, en fait, à la base de données à partir de ce moment-là. D'accord. Donc là, vous avez les identifiants, en fait, de votre base de données. Donc, vous allez avoir l'hôte sur lequel vous allez vous connecter, le port, et puis le mot de passe. Comme si vous connectiez à un Redis classique. Et ça peut se connecter à nos applis de la même façon que pour d'autres add-ons Clever Cloud. Oui. Si on l'ajoute à l'appli, on va voir les variables et tout directement. Exactement. Bah, c'est cool. Il y a juste une petite subtilité, c'est que le Materia KV est par défaut en TLS. Donc, il faut faire attention quand vous créez vos applications. Il faut qu'elles soient capables de gérer le TLS. On a la possibilité de le passer en non-TLS, mais il faut changer le port. Et comme les variables qui sont injectées sont les variables pour le TLS, il y a un petit warning si vous avez envie de jouer avec les applications, il faut être en TLS. Je pense que le warning sera surtout pour ceux qui ont des applications Redis Legacy, parce que Yaskai n'y a pas si longtemps, personne n'utilisait ou presque personne n'utilisait les TLS en Redis. Donc, si vous aviez une vieille appli Redis, il faudrait activer les TLS et peut-être changer la bibliothèque client si c'est vraiment très ancien. C'est ça le warning, non? C'est ça l'idée, ouais. Mais normalement, toutes les bibliothèques vont gérer le TLS. C'est surtout l'URL en fait qui va changer par rapport. Okay. Et du coup, comme tu dis, en fait, on a la possibilité d'avoir les variables d'environnement qui sont injectées directement dans l'application. Donc ici, j'ai mon random doodle Materia qui va être lié à mon application. Donc là, par exemple, j'avais un Redis qui était branché. Je peux venir mettre un Materia. Et à partir de là, quand on va regarder dans les variables d'environnement, on va avoir les différents credentials. Donc, vous voyez les mots de passe, mais ce n'est pas un problème. De toute façon, tout ça, ça va partir après le stream. Donc, on va avoir les variables d'environnement de notre Materia. Donc, comme vous voyez, on va avoir un Redis host, un Redis password et un Redis port. Et c'est les mêmes variables qu'on utilise dans notre add-on Redis classique. Donc, on peut les mettre comme un remplacement direct dans mon appli. Parce que là, si je reprends le Redis, vous voyez qu'on a exactement les mêmes variables. Il n'y a pas de changement de fonctionnement entre Materia et Redis pour tout ce qui est variable d'environnement, TLS à part.
Nickel. Et du coup, comme tu dis, je t'ai piqué ta petite application. Donc ça, c'est le code source de cette application qui va avoir des credentials qui vont être passés en variable d'environnement. Et lorsque je viens me connecter, donc le KV token qui est là, c'est pour faire la distinction entre le TLS et pas le TLS, parce que le Materia a une variable d'environnement qui s'appelle KV token. Du coup, je l'ai utilisé comme discriminant entre les deux bases de données. Ça, c'est un exemple d'une appli qui était plutôt legacy, qui s'attaquait à un Redis où il n'y avait pas de TLS, un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, donc, il a fallu modifier trois lignes de code pour activer les TLS dans les cas où on attaque Materia et les CES en TLS dans les cas où on attaque l'addon Redis classique, C'est c'est ça? ça. Il y a la différence, c'est qu'on a un seul S quand on est en non-TLS et on a deux S quand c'est en TLS. Et comme vous voyez, les variables d'environnement en elles-mêmes, elles n'ont pas bougé. C'est uniquement l'URL qui a été modifiée. Parfait. Et donc, cette petite application qui est ici, en fait, on va pouvoir la voir là. Donc ici, on va avoir cette application qui va être connectée sur le Materia KV et on va pouvoir générer. Ah, il y avait beaucoup de monde. Et on va pouvoir venir générer des nouveaux doodles. Ça, c'est le trait caractéristique d'Horatio. Je pense que vous le reconnaissez. C'est pas moi qui décide comme ça. Hein. Moi, je fais des gribouillis. C'est Ah déjà non, pas là, mal. je me suis fait plaisir à dessiner quelques éléments et les combiner ensemble et voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, l'idée, c'est à chaque fois que tu cliques, ça génère un avatar. C'est Cet ça. avatar a un code qui permet ensuite Donc de là, les si on prend régénérer. monsieur qui est là, ben en fait, on va pouvoir le récupérer ici. Ah non, je ne l'ai pas généré, je pense. Hop. Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est pas le même. Non, parce que je pense que tu ne les mets pas dans l'ordre. Ah non! Oh bah c'est attends, il est là alors. Voilà, il est là. Voilà. Bon, vous rappellerez que c'est 103-01 à la fin. Je vous fais confiance. Ouais, sans doute. Je te fais confiance pour ça, Yannick. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que sur Clever, on a ce qu'on appelle le service dependency, qui permet en fait de venir brancher des bases de données On a une à mémoire une application. externe, tu vois? Ça nous Oui, mais facilite la oui, vie. merci Happy, Merci. merci beaucoup. Ici, donc là, c'est n'importe quoi parce que non, en vrai, j'étais dans cet état-là, mais c'est pas grave. Donc ici, pour le moment, je suis branché sur une Materia. Ah non, j'étais branché sur une Redis. Pardon. Donc on était branché sur une Redis. On voit ici Redis Service CleverCloud.com. Et en fait, sur Clever, on a la possibilité d'unlink une base de données par rapport à une application et de relink par rapport à une autre. Donc là, c'est venu changer les variables d'environnement, mais pour le moment, l'application n'a pas changé. Si là, on recharge la page, on voit qu'on est encore en Redis Service. Mais par contre, si on redéploie notre application, il va venir réinjecter les nouvelles variables d'environnement dans notre application. Et cette fois-ci, les variables d'environnement qui sont associées, pardon, les variables d'environnement qui sont associées à notre application, ça va être du Materia KVEU et non plus du Redis Service machin de. Donc là, c'est instant meublage. Ah non, peut-être pas. Attends, il faut meubler, tu peux expliquer. Non, mais on peut expliquer pourquoi il faut meubler. Parce qu'on a dit restart, mais on ne fait pas ça comme des sauvages. On ne coupe pas l'ancienne tant que la nouvelle C'est ça. n'est Et pas en fait. lancée. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder dans les logs quand est-ce que la nouvelle sera lancée, ou faire quelques refresh dans les navigateurs pour voir quand est-ce que la nouvelle instance sera lancée, l'ancienne coupée, et on pourra voir la connexion à la nouvelle. Effectivement, Exactement. comme Et ça, donc des là, points de vue de on a le l'utilisateur de mon application. super appli,
on ne voit pas que l'appli est down, quoi. C'est important on voit pour une appli aussi magnifique. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, on c'est vraiment magnifique. On voit que maintenant, l'application, elle est bien connectée à notre Materia KV. Et donc, si je refresh, maintenant, on est connecté à la Materia KV. Et on voit que la liste des doodles précédents n'est plus là, parce qu'en fait, on s'est connecté sur une autre base de données. Mais le fonctionnement en lui-même de l'application n'a pas changé. Donc, ça veut dire qu'on parle Redis. Yannick, rappelle-moi de dire à Léo de nous inclure un effet audio d'applaudissement pour mettre dans ce type de moment car la démo a marché. Ah, ça serait bien, ouais. Parce que les démos, c'est pas toujours voilà quoi. Ceux qui en font. Et si on a envie de revenir avec notre base de données Redis pour aller récupérer notre monsieur tout chauve. Notre monsieur 103.01. Merci encore, Happy. Celui-là, ouais. Donc là, pareil, on est en train de redéployer notre application. Hop. Donc là, Clever a pris l'ordre de déploiement et du coup, il est en train de redéployer l'application. Voilà, c'est le moment où on meuble. Ouais. Et donc, pendant qu'on meuble, on vous rappelle, vous pouvez déjà tester Materia KV. Elle est disponible dans votre console Clever. Testez-la et dites-nous si vous trouvez des choses qui manquent, des choses qui ne sont pas complètes ou des use cases qu'on n'adresse pas bien parce que c'est le moment où vous pouvez vraiment avoir une influence en adapter les produits à vos besoins. On ne couvre pas 100% de l'API Redis, j'ai envie de dire encore, mais on couvre les fonctions les plus utilisées. Par contre, aussi, s'il manque justement la fonction que vous utilisez tout le temps, c'est le moment de venir nous dire « Et moi, je vais fouetter Yannick jusqu'à ce que la fonction soit faite. » Donc, Exactement. Donc là, on est reconnecté sur notre Redis. Et donc, si on rafraîchit… Oh, regarde ce qu'on nous demande. Il on y a notre une pote. Doc. Voilà, déjà, on a les messieurs. Est-ce qu'il y a une doc? Je te propose de linker la doc au ratio. Voilà. Je n'ai pas fait mon boulot, je n'ai pas ouvert le bon onglet, donc le temps qu'il recherche. Bah oui, et juste pour vous montrer, hop, en fait, notre Materia, c'est assez gros ou pas? Normalement, oui. Dites-moi si c'est assez gros. Normalement, oui, c'est bon. Là, je suis connecté sur mon Materia. Et je vais pouvoir aller faire des commandes. Donc là, par exemple, je vais aller lister. Ah, je ne suis pas connecté. RIP. Et je vais aller pouvoir lister mes clés, par exemple. Donc là, je suis vraiment en train de parler au Materia KV qui comprend le Redis en sous-main et qui vient faire des appels sur le format pivot. Format pivot qui vient se connecter, enfin, qui vient être utilisé par le SDK. Pour aller chercher les données qui sont dans FondationDB. Et ces données-là qui sont dans le FondationDB, on a la certitude qu'elles ne vont pas être corrompues pour X ou Y raison. On a une histoire assez drôle, c'est à un moment, il y avait une personne de Clever qui était dans un data center et qui a arraché un disque dur de données sans faire gaffe. Et ben, on n'a pas perdu de données. C'est pour vous dire la résilience de la chose. Et si ça avait été fait, par exemple, sur du Hadoop, avec du HBase, votre cluster était mort. Sur FondationDB, on n'a pas le problème. Mais ça, c'est ouf. Parce que ça nous donne une sécurité qui est absolue. Et donc, dans les fonctionnalités... Ah, bah ouais. Le monkey testing, exactement. C'est exactement ça. C'est le monkey testing extrême. Et dans les différentes fonctionnalités que l'on a implémentées, donc normalement, dans la documentation, vous avez la liste de toutes les commandes que l'on a mis en place. Mais rapidement, on a la possibilité de pouvoir faire des sets. Donc, si par exemple, je mets family.
Fuzzer Bob. Ouais, je l'appelais Bobo. Bon, c'est pas grave. Ah, ça fait un peu moins classe, mais ça va. Et vous voyez, j'ai l'autocomplétion et tout, hein. Donc c'est le truc marche plutôt pas mal. Et donc je n'ai pas seulement un clé valeur, j'ai un clé valeur, mais avec toute la notion qu'il peut y avoir derrière Redis, d'avoir la possibilité d'avoir des objets enrichis. Donc par exemple des maps à l'intérieur de notre clé valeur. Si on regarde notre page de doc, vous pouvez voir que là, les fonctions qui on supporte, ça s'est pas mal enrichi. Et on a encore, en gros, les fonctions pour faire des données simples, des HMAP, des listes. Donc, il y a déjà de quoi faire. Encore une fois, si la fonctionnalité clé de Redis pour vous n'est pas encore disponible, n'hésitez surtout pas à nous le dire et on travaillera pour que ça soit dispo plus tôt. Exactement. Bon, bah, je Je pense pense. qu'on est bien et on a Oui. encore quelques minutes pour répondre à des éventuelles questions. Et où est-ce qu'on peut nous remonter les infos? Ah, c'est une bonne question, ça. Merci beaucoup, Happy, de la poser. C'est la meilleure question. Bah déjà, on va commencer. Vous pouvez nous envoyer un message sur les comptes Clever ou sur nos comptes perso et pour n'importe quel système, Twitter, LinkedIn ou quoi que ce soit d'autre. Mais on a des pages communautaires. Je suis en train d'essayer de trouver les liens. Et sinon, on les mettra a posteriori dans la description de ces vidéos. La idée, c'est, surtout avec Materia KV, on a toute une série de releases qui sont en train d'arriver. Ah, mais là, pendant Merci que j'ai Steven. meublé, on a notre super CTO qui a fait le travail pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller la chercher. Voilà. On a notre page community de discussion sur GitHub. Et donc là, ça sera l'endroit pour tous les produits qu'on a dans le pipeline, desquels Materia KV, c'est le premier. Voilà, c'est ça, avoir un CTO efficace que pendant une galère pour trouver les liens, il les cherche, il les colle. Merci. Donc, par Twitter, par LinkedIn ou directement dans la page communautaire. L'avantage de la page communautaire, c'est que ça va rester dans vos questions, vont enrichir aussi et faciliter la vie aux autres. Exactement. D'autres questions? D'autres commentaires? Des Oui, choses que n'hésitez vous voudriez pas. savoir sur Materia en général? Ouais. Par exemple, personne n'est curieux de savoir qu'est-ce qu'il viendra après les KV? Non, personne n'a demandé. Ah, tiens, ça c'est une belle question. La roadmap bêta finale. Bah, j'ai tendance à dire que la roadmap bêta, ça dépend un petit peu de vous, de vos tests, de vos retours de commentaires. Sûrement, c'est une question de quelques semaines, slash quelques mois, mais ça dépend de comment vous l'utilisez, des remontées que vous nous faites et des moments où on considère que c'est prêt pour la partir sur une bêta. Qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter comme fonctionnalité avant la bêta qui n'existe pas aujourd'hui? Bah, les principales fonctionnalités, comme Steven nous rappelle, c'est la gestion des TTL. C'est une des fonctionnalités de Redis qu'on n'a pas en ce moment. Les TTL, c'est au moment où tu mets une donnée, tu veux dire ces données, on veut les stocker dans la base pendant 3 mois et après, il ne sera plus récupérable. Et surtout, la partie backup. Donc, ça, c'est la partie technique de notre côté. Ensuite, il y a, si le retour d'Alpha, vous nous dites, vous êtes plein à nous dire, écoutez, il nous faut absolument cette fonctionnalité qui n'est pas là. Bah, il faudrait peut-être reculer un peu plus pour l'ajouter. Mais, basiquement, je pense qu'au retour de l'été, on pourra se lancer dans les côtés bêta tranquillement. Et pour la mise en production, bah là,
Ça, c'est une autre histoire. On annoncera, une fois qu'on sera en bêta, quand est-ce qu'on partira en prod. Materia lambda et materia keyclock. Materia lambda, comme Yannick expliquait, materia pour nous, c'est des bases de données et des storage. Donc, les lambda, ce n'est pas pour nous de la famille materia, mais ça ne veut pas dire que... On a notre fonction as a service qui est dans une alpha pas encore ouverte à tout le monde. C'est plutôt une technical preview, pour utiliser les bons termes. Donc, on a déjà quelques personnes qui l'ont utilisé, qui l'utilisent. Et l'idée, c'est un des prochains produits qui sortira dans une alpha publique. Il n'aura pas les mots-clés materia, parce que ça, c'est adresse aux bases de données. Il n'aura pas les mots-clés lambda a priori, mais ça sera une fonction as a service. Et les keyclock, à nouveau, ça ne sera pas materia non plus, mais il y a déjà une alpha fermée dans ce cas de keyclock. On l'a annoncé lors de DevOx. D'ailleurs, si vous avez un use case autour de keyclock, vous pouvez nous contacter pour n'importe quel moyen qu'on vous a dit. Et il y a encore de la place pour ajouter des use cases sympas à notre alpha fermée keyclock. Et si tout se passe bien, il devrait avoir un stream, un Twitch autour de keyclock, peut-être même semaine prochaine. Mais là, on vous racontera plus. Simplement, ça ne se rappellera pas materia. Une question très intéressante de Willard qu'on peut peut-être prendre. Oui, je cherche. Elle est où? Juste en dessous de celle de Steven sur les TTL. Celle-ci? Non, la deuxième prix, non. Tu vois pas? Après le KV du relationnel. Ah, PDKV, les relationnels, oui. Et ça, c'est super intéressant. Oui, on est en train de travailler sur la possibilité d'avoir des bases de données relationnelles. Et en priorité, ça sera du PG. Ça sera de payer, mais toujours de la même façon. Il y aura FoundationDB en bas, il y aura le format pivot qui ne sera pas nativement de payer, et il y aura un layer pour accéder à l'écriture en mode payé. Ça sera peut-être un peu différent pour le coup pour PG, parce qu'on a quelques petites choses qu'on ne pourra pas faire avec notre modèle. Mais on vous en parlera beaucoup plus quand on aura avancé sur le sujet. Et après, à partir du moment où on sera capable de faire du PG, on pourra s'ouvrir la porte sur plein de choses, genre la possibilité de faire du GraphQL, par exemple, ce genre de choses. Oh. On pourra vraiment faire énormément de protocoles et de présentations de données, mais il nous manque encore ce que l'on appelle les plans de requêtage. Mais ça va arriver dans un second temps. C'est pour ça qu'on a pris au tout début un Redis, parce que Redis ne nécessite pas d'avoir un modèle de requêtage complexe. Il n'y a pas de jointure de table, par exemple, en Redis. Chose okay, que l'on veut pouvoir fournir à l'issue de nos développements sur les plans de requêtage. Nickel. On a une autre question intéressante. Des limites techniques sur les bases materia, taille, nombre de KV. Déjà, on a une limite dans cet alpha public. Ce n'est pas open bar. Tu nous rappelles un peu les limites, Yannick? Oui, pour l'instant, on est à 200 mégas de stockage par tenant. Et on va avoir une limite de 1 kg par requête, une limite que l'on va faire sauter dans les prochains mois. Mais pour l'instant, il y a 1 kg par requête. Et par contre, pour les données que vous pouvez sortir de la base de données, c'est 10 MO par requête. Parfait. Et tiens, il y a Steven à nouveau qui nous fait un spoiler. Nous, on voulait aller petit à petit avec les annonces. Mais là, il arrive et il dit « Et il y aura aussi un Zookeeper etcd, une compatibilité Mongo pour une base document et un Materia Time Series et GraphQL et des surprises encore. » Oh, si, il fallait, mais bon, voilà, le stress. Quoi. Oups, I did it again. OK, merci Steven.
Spoiler, spoiler. Mais oui, on a plein de choses qui vont arriver. On C'est a ça en fait commencé par la. Materia, on veut vous le montrer, on veut que vous le testiez et on veut aller rapidement vers la bêta et la production, mais on travaille en parallèle sur toutes les étapes suivantes. Materia, ça va être quelque chose d'assez structurant pour Clever, ces bases de données serverless, et l'idée, c'est que ça va s'étoffer très rapidement. C'est ça la force de ce que l'on a construit, notre boîte à outils. C'est qu'elle est très versatile. Elle n'a pas été faite pour un usage, elle a été faite pour une catégorie d'usage. Et du coup, on est capable de l'adapter pour tout un tas de situations différentes. Donc, par exemple, Steven parle de l'ETCD. Bah, avoir un ETCD qui scale, ça peut être pas mal pour certains usages. Si des personnes font du Kubernetes, ils savent très bien que, bah, la base de données, elle ne va pas pouvoir scale à l'infini. Et du coup, bah, ils sont obligés d'avoir plusieurs bases de données pour stocker les trucs. Là, on pourrait utiliser un matériau ETCD pour être capable de scale, par exemple. Oups, encore un autre spoiler de notre CTO, Materia Time Series pour de l'IoT. Et là, ça se met en route, ça se met en route très rapidement. Mais là, on le verra dans un autre chapitre, dans un autre stream. Mais voilà, j'espère que pour le moment, déjà, ça vous a donné envie de tester Materia KV, de nous faire des retours. J'espère aussi que ça vous a un peu va lever les voiles sur où est-ce qu'on veut aller côté Clever Cloud avec Materia et que c'est plus que simplement ajouter une jolie marque à notre catalogue de produits. Mais On peut pas, il non! est loin. C'est Il n'est ça, pas et en plus. Bretagne. On ne sait pas où il est. Et on a perdu notre CTO. Mais en plus, c'est cool parce que ça permet vraiment de, voilà, de vous montrer que on sort des choses et on va sortir encore plus. Ouais, voilà, vers l'infini et au-delà. Concrètement, c'est quoi IoT MQTT? Steven, je te laisse répondre à Vas-y, Sylvain sur ça. j'avoue, Vas-y. t'as ouvert la porte, Steven. On te laisse te démerder maintenant. Et au pire, on organise un autre stream pour que tu parles de ça. Mais voilà. Topic MQTT as a service plus in time series DB. Mais là, c'est dès que les choses commencent à être un peu plus avancées, on vous organisera un autre Twitch autour du sujet, bien entendu. Donc, en fait, tout GitLab pourrait être branché sur des matérias. PG Materia, Redis Materia, il manquerait peut-être Elasticsearch Materia. Bah, au fait, l'idée c'est qu'il y a énormément d'applications qui pourraient être branchées sur des Materia, énormément d'applications pour lesquelles aujourd'hui on a besoin d'une instance que si on calcule en termes de volumétrie de données et volumétrie de requêtes, il s'irait très bien sur une approche et serverless Materia. Et ça fait sens autant des points de vue de l'utilisateur que des points de notre point de vue d'utiliser pour tous ces petits bases qu'il y a à droite et à gauche une approche serverless. Exactement, soyons clever. Ne faisons pas tourner des VM pour rien. La planète nous récompensera de notre Merci. parcimonie. Bon, bah, je pense que là, on arrive à la fin. 14 heures, on a tenu dans le temps, mon Dieu, Yannick, toi et moi, on Oui, a tenu mais dans le oui. temps. Moi qui suis habitué à faire des streams de 7 heures. Il y a une première pour tout. Merci à tous d'avoir été là. Et si vous avez d'autres questions, encore une fois, vous nous pinguez, oh, mieux encore, vous allez sur Utiliser les la communautés. communauté GitHub que Steven a mis tout à l'heure et que je vous remets là en bas. Vous posez vos questions, vous donnez vos feedbacks et on essayera de s'adapter. Merci encore et on vous donne des rendez-vous la semaine prochaine sur un autre Twitch. Et cette fois, on parlera pas de Materia, mais de Keycloak.
À très bientôt. À très Merci bientôt. Yannick. Bonne journée à tous. Bonne journée Horatio. Bonne journée. Ciao.